Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je pense que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'ai décidé de faire ma broderie 18CT, déjà pour voir ce que ça donne, hein. Et également je vais la faire en duo, voilà, avec Elisa Pointe-Croix et ses loisirs, voilà, si je ne me trompe pas. Donc, il y a une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Si vous ne la connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller la découvrir. Elle est comme ça. Donc, on va faire en duo cette toile. Alors, on ne sait pas le temps que ça va nous prendre. On s'en fout complètement. pas de pression, rien, on va faire chacune de notre côté à notre rythme, on ne se donne pas d'étapes, voilà. Bon, il y a une différence, c'est que Elisa travaille, moi je ne travaille pas, donc voilà, on n'a pas le même temps de loisirs, donc on va le faire à la cool, avancer. Voilà, on va juste avancer un petit peu à la fois. Alors, par contre, pour vous montrer nos avancées, on fera une vidéo, normalement toutes les fins de mois, on fera une vidéo chacune de notre côté et on montrera là où on en est arrivé. Et en même temps, moi, je vous montrerai une photo de la broderie à Elisa, et Elisa sur sa chaîne, dans sa vidéo, mettra une photo de ma broderie à moi. Voilà, comme ça vous pourrez voir les deux broderies en même temps. Alors, laquelle nous allons faire? Alors, je vous l'avais bien sûr déjà présenté, on va faire celle-ci. Voilà, donc il y a du taf, hein. Donc on va faire celle-ci, toutes les deux ensemble. Et je pense qu'elle va être agréable à faire. Oui, je pense qu'elle sera agréable. Alors, je ne vais pas vous la remontrer en détail parce que je vous l'avais déjà présentée dans un autre unboxing. Si j'y pense, je vous remets le lien dans le petit et puis je vous remettrai le lien également dans la barre d'infos pour que vous retrouviez le unboxing concernant cette toile. Alors, bien sûr, on avait des échevettes, hein, des tresses, voilà, vous voyez, quand même pas mal de tresses, et beaucoup de fils. Donc, je vous les montre juste comme ça, parce que je vous ai dit, je les ai déjà présentés. Hop, vous voyez, il y a beaucoup de bleu, du marron, il y a du rose, du bordeaux, du prune, du violet, vous voyez. Vraiment beaucoup beaucoup de couleurs. Les fils sont super doux, j'aime beaucoup. Alors par contre, là pour l'instant je vais commencer comme ça avec cette plaquette, mais je sens que je vais vite mettre sur mes plaquettes en plastique parce que mais rien qu'en faisant ça j'ai déjà croqué, donc je vais vite les mettre sur les plastiques. Vous voyez, voilà. Hop, je vous les montre plus comme ça. Donc, ça va être très joli. Et je vous montre en vitesse la toile. Voilà. Alors, c'est du 18CT. Elle est très souple. Alors, ça va être un bonheur de la broder. Moi j'ai déjà fait hein, du 18CT, ben, je suis en train d'en faire une justement, mais en point compté que j'ai commencé cette semaine. Oui, j'ai commencé une nouvelle broderie, mais je vous ferai une vidéo avec mes broderies, je vous montrerai. C'est une Annie Cabrial que je suis en train de faire, donc je brode justement sur de la fine toile. Moi j'ai déjà brodé de l'étamine, tout ça, donc ça ne me fait pas peur. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux. Et ça va flouter, bien sûr. Voilà, vous voyez.
Mais je pense que ça va être bien. Oui. Alors, moi, je vais commencer par le haut. Alors, je commence toujours en haut à droite. Voilà. Donc, moi, je vais commencer par ce côté-là. Je ne sais pas comment Elisa va commencer. Hein. Ce sera la surprise. On verra. Peut-être qu'elle va commencer par le bas. Je ne sais rien. Mais voilà. J'ai hâte de la commencer. Je pense qu'elle va être sympa à faire. Voilà. Et bien sûr, j'ai ma grille papier avec. Et si je veux avoir le patron, je peux le télécharger grâce. Bon, je vais le faire là-dessus. Ouais. Au QR code. Voilà. Donc, je peux mettre la grille sur ma tablette si je veux. Donc, voilà. Alors, juste après, je vais commencer mes premières croix avec vous en vidéo. Comme ça, bah, vous verrez déjà comment je m'en sors. Et puis, je vous donne rendez-vous à la fin du mois, donc pour voir la suite de cette broderie, voir où j'en suis arrivée et voir où Elisa en est arrivée. Voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vais vous laisser regarder la suite en musique. Petit moment de détente en me regardant broder. Et on se retrouve donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous et bon visionnage pour la suite. Ne partez pas tout de suite. Et allez-y, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bisous bisous.
Thank you.